Mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, bonsoir, 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 bonsoir à tous. Et nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois, pour la deuxième fois de cette journée. Je dis, petit pote, c'est l'heure à qui arriver pour nous capables de chercher présence de bon Dieu dans la prière et dans les chants et dans les psaumes. Donc, à vous-même qui êtes là, pour recevoir ce que Dieu veut donner et participer à cette émission, nous prenons un grand plaisir à vous saluer dans le nom de Jésus-Christ et à vous dire bienvenue à cette édition de Jeudi Petit Pote. Nous encourager pour capable partager lien avec 11 amis, partager lien avec 11 familles et là, capable pour nous saillons source de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, fais ça, Kounia. Partagez lien. Oui, partagez lien avec 11 familles. Partagez avec 11 amis. Il est capable pour lui-même une source de bénédiction au nom de Christ Jésus. Donc, nous encouragez-vous encore une fois à partager le lien et entre-temps, abonnez à notre page. Si vous pouvez au monde qui est abonné, nous encouragez-vous pour capable de faire ça pendant que nous rentrons dans jeudi. Pétez potes pour nous capables et bien rentrer dans la présence de Dieu. Nous t'apprêmes dire un grand bonsoir à Naomi Saint-Il. Nous t'apprêmes saluer Dr. Jeff Anilus. Nous t'apprêmes saluer Juliana K. et Linda Imprévert, Rose Cyber, à quelques lieux que nous capnous y est, dans moment ça, nous saluons nous dans le nom de Jésus-Christ et nous disons bienvenue à cette nouvelle édition. Nancy Mathieu, Rudlin Tolès et Sylphane Dorméus, sœur Micheline Tinguet, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, sœur Sabine Vargas, Ima Augustin, Muriel Davilmar, Jocelyne Etienne, nous saluons avec beaucoup de chaleur, Patrick Butler, oui, nous saluons frère Patrick. Dans le nom de Jésus, nous saluer et bien Renan de Pierre, nous dit bonsoir à Lormi à Jean, Ima Augustin, nous saluer avec beaucoup de chaleur Linda Taniklas et à tout le monde qui à la ronde badeg étant là, sœur Sandra Jean et Léonise Filias et à tout le monde net, nous prend un grand plaisir pour que nous capables ensemble dans cette édition. Oui, dans cette édition, dans ce programme de jeudi, Pétépote. Eh bien, mes amis, l'heure arrivée, nous allons commencer, moi, invitez-vous pour capable sensiblement baisser la tête pour que nous capables rechercher la présence de Dieu, eh bien, pour cette édition de jeudi, Pétépote. En nous la prière, au nom de Jésus. Notre bien-aimé Père, nous bénissons et nous disons merci pour faveur et grâce qu'on fait nous pour nous capables de présence. Merci pour ce que nous t'es dormi, nous t'es levé et merci de l'occasion bénie qu'on fait nous pour que nous capables là. Eh bien, à souhait encore pour nous capables la prière, pour nous capables remettre problème nous dans le monde, nos inquiétudes et nos peurs, nos soucis. Nous voulons tout déposer à tes pieds. Nous reconnaissons que nous sommes des hommes et des femmes pécheurs qui ont vraiment besoin de ta grâce. Sans toi, qui avons vraiment besoin de toi. Sans toi, Céleste Père, nous sommes rien du tout. Nous sommes, en fait, des personnes sans grâce, sans régénération. Voilà pourquoi nous nous humilions devant toi en cet instant. Nous réclamons ta bénédiction, nous demandons ta paix et nous te demandons de nous assister puissamment. Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs. Je réclame ta bénédiction sur leur vie et alors que nous sommes réunis dans cet espace virtuel. Nous te demandons que ton Esprit Saint soit là pour nous encourager, pour nous soutenir, pour nous fortifier et nous aider à continuer la route. Prends soin de nous, fais-nous du bien, reste avec nous, protège-nous, garde-nous de tout mal et de tout danger. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente. Au Jésus, notre roi, c'est la prière en adressant le vent avec le pardon de nos péchés dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Eh bien, matin, à Soya, nous allons commencer avec un petit cantique qui dit « Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier ta vie, celle de tes enfants, au Dieu sanguinaire, au Dieu de l'argent, c'était pas la peine que tu entendais au fond de ton cœur. » Donc, c'est avec cantique ça, nous allons essayer Patti. Et c'est un cantique ancien, oui, c'est un cantique ancien. « Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. » Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait, sacrifier sa vie et celle de ses enfants au Dieu sanguinaire, au Dieu de l'argent, etc. Donc c'est ça, nous pourrions le chanter pendant que nous avons cherché présence, bon Dieu, dans cantique ça. Oui, présence, bon Dieu, nous avons cherché dans cantique ça et au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Eh bien, on nous partit. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait.
tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, au dieu sanguinaire, au dieu de l'argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Et puis un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient par à ton passé. Par de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très bon projet. C'était là l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. On dit que partir, c'est mourir un peu. Oh, partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Encore. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, au dieu sanguinaire, au dieu de l'argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Amen. Numéro 38, oui, numéro 38, en nous chantant au nom de Jésus de Nazareth. Numéro 38, abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute les pas de ses enfants. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute les pas de ses enfants, qu'il soit ton espérance si tu veux être heureux.
pour que ton cœur avance sur lui, fixe les yeux, dis-lui toutes tes peines, remets-lui ta douleur, il brisera tes chaînes, tout est don du Seigneur. Tu vois dans ta tendresse, Père compatissant, ce qui guérit ou blesse le cœur de ton enfant et ta toute puissance transforme en sa faveur le deuil en délivrance, la tristesse en bonheur. Espère à me charger, espère et ne crains pas, car là où t'es tracé, devant tes faibles pas, ton Dieu viendra lui-même te prendre par la main, et sa grâce suprême changera tout en bien. Espère à me charger, espère et ne crains pas, car là où t'es tracé, devant tes faibles pas, ton Dieu viendra lui-même te prendre par la main, et sa grâce suprême changera tout en bien. Espère à me charger, espère et ne crains pas, car là où t'es tracé, devant tes faibles pas, ton Dieu viendra lui-même te prendre par la main, et sa grâce suprême changera tout en bien. Sans trop d'impatience, attends le jour manqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Alors plus de tristesse, de deuil, d'obscurité, tu verras l'allégresse, le repos, la clarté. Ton Dieu viendra lui-même te prendre par la main, et sa grâce suprême changera tout en bien. Alors plus de tristesse, de deuil, d'obscurité, tu verras l'allégresse, le repos, la clarté, et ta toute puissance transforme en sa faveur le deuil en délivrance, la tristesse en bonheur. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui ta douleur, il brisera tes chaînes, tout est don du Seigneur. Lui qui trace la route au monde comme au vent, alléluia, guidera sans nul doute les pas de ses enfants. Sans trop d'impatience, attends le jour manqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé.
alors plus de tristesse, de deuil, d'obscurité, tu verras l'allégresse, le repos, la clarté. Ton Dieu viendra lui-même te prendre par la et sa grâce suprême changera tout en bien. Et sa grâce suprême changera tout en bien. Ton Dieu viendra lui-même te prendre par la main et sa grâce suprême changera tout en bien. Mon Dieu viendra lui-même me prendre par la main et sa grâce suprême changera tout en bien. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Loué sois-tu Seigneur. Tu es éternellement élevé Seigneur. Oui, tout est bien. Oh, mon âme ne craint rien. L'amour suprême veut ton seul bien. Les flots, les vents, il les mesure à son enfant. Dieu toujours le même. Me veille sur nous tendrement dans nos détresses. Dieu nous tend sa richesse, son grand amour. Veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Oh, attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Ô Dieu, dans ces jours de détresse, que deviendrait ton pauvre enfant s'il ne pouvait dans sa tristesse avoir recours au Tout-Puissant pour assurer mon faible cœur? Parle-moi donc, ô mon sauveur, parle-moi donc, ô mon sauveur, si l'Éternel est ma retraite, qui pourrait me troubler encore? Pourquoi redouter la tempête quand on est sûr d'entrer au
au port. N'étais-je pas pour protecteur? Jésus est pour libérateur. Jésus est pour libérateur. Jamais je n'aurai de disette, car l'Éternel est mon berger. Comment trembler sous la houlette du grand Dieu qui ne peut changer? Il m'environne chaque jour d'un tendre soin de son amour, d'un tendre soin de son amour. Oui, de mon Dieu, quand je m'approche, mon cœur ne connaît plus d'effroi. Il me conduit sur une roche qui serait trop haute pour moi. À mon ami, il parle de paix. Il est mon sauveur à jamais. Il est mon sauveur à jamais. À mon âme, il parle de paix. Il est mon sauveur à jamais. Il est mon sauveur à jamais. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, le Seigneur du ciel et de la terre. N'a continué à chanter. Après ça, nous pourrons prier. N'a continué à chanter. Numéro 318. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande. Plus l'abîme est profond et béant sous mes pas. Plus le péril extrême un prompt secours demande, plus je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. C'est le numéro 318. En nous aller au nom de Jésus-Christ. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond et béant sous mes pas. Plus le péril extrême un prompt secours demande, plus je me réfugie, oh Jésus, dans tes bras. Parmi tous les dangers, c'est toi qui me rassure contre tous les assauts. C'est toi mon bouclier, c'est toi si je faiblis qui guérit mes blessures. Pour pouvoir tout sur toi, je n'ai qu'à m'appuyer. Tu m'as associé, Jésus, à ta victoire. Mets ta force en mon bras, mets ta flamme en mon cœur. Oui, viens par mon triomphe ajouter à ta gloire, combattre par mes mains et me rendre vainqueur. Tu me donnes toujours selon ma confiance. Quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi, tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Oh, avec toi, tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Oui, viens par mon triomphe ajouter à ta gloire, combattre par mes mains et me rendre vainqueur.
cœur. Oui, viens par mon triomphe, ajouter à ta gloire, combattre par mes mains et me rendre vainqueur. C'est toi, si je faiblis, qui guéris mes blessures, pour pouvoir tout sur toi, je n'ai qu'à m'appuyer. Plus le péril extrême un prompt secours demande, plus je me réfugie. Oh, Jésus, dans tes bras, c'est toi, si je faiblis, qui guéris mes blessures, pour pouvoir tout sur toi, je n'ai qu'à m'appuyer. Amen. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, divin roi. Jésus sauveur, que je t'aime. Ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Sur ta croix, victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus sauveur, que je t'aime. Ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose, en toi mon puissant sauveur. Jésus sauveur, que je t'aime. Ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. À toi, Jésus, j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours. Quand moi ton amour rayonne, je veux te servir toujours. Jésus sauveur, que je t'aime. Ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Jésus sauveur, que je t'aime. Ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Ô Jésus sauveur, que je t'aime. Ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même
qu'un jour je règne avec toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le des moyens que Papa Bon Dieu mettait à notre disposition pour recevoir de lui les grâces et les bénédictions promises, c'est la prière. C'est par la prière que nous accédons au Père, c'est par la prière que nous tapons dans les ressources infinies de Dieu, c'est par la prière que nous rentrons en communion avec Dieu et réclamons de lui les bénédictions. La prière, pas guettant cool. Et yon nan bagay wap besoin qu'on ait en tant que petit bon Dieu, c'est que quand tu fais face à des situations qui te dépassent, yon nan réaction, je te parle d'expérience, yon nan réaction qui naturelle à l'humain devant une situation difficile, li gen tendance pour tomber dans la panique et la peur. Je sais de quoi je parle. Donc quand quelque chose te frappe, quand quelque chose survient et de manière subite, la première réaction de l'humain, c'est de tomber dans la panique, c'est d'avoir peur. Pourtant, la Bible nous invite au calme et à la confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est ça, Bible a dit nous. Verset ça, bien-aimé, c'est pas verset pour nous oublier. Pendant que je rentre dans la parole là, vous d'après mon songe, verset ça. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est nous, je ne verset ça. Non. En bas plume. Et Esaïe, il dit, c'est dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Nous joignons ça, nous disons là, dans Esaïe 30, verset 15. Nous allons aller rapide, dans Esaïe 30, ça son verset qui est important pour besoin. On a besoin pour aller dans l'autre là. Dans Esaïe 30, verset 15, Esaïe chapitre 30. Esaïe nous dit au chapitre 30, verset 15. Tendez comment la Bible a parlé, Esaïe chapitre 30, verset 15. Esaïe 30, verset 15. Lui dit comme ça, en aller rapide, Esaïe 30, verset 15. Lui dit comme ça, c'est car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, il y a une situation qui, lorsque une situation à laquelle nous nous attendions pas, les frapper nous, la tendance naturelle, la réaction naturelle, c'est de tomber dans la panique, c'est d'être paniqué et d'avoir peur. Et si bon Dieu parlait avec nous, lui dit nous, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance, aïe. Si vous parlez de la confiance, vous devez dire, c'est dans le calme et la foi en Dieu que sera votre force. Oui, bien aimé, ou besoin qu'on ait la prière sont force liées. Lorsque tu vas devant Dieu dans la prière pour réclamer une quelconque grâce, une quelconque bénédiction, tu dois avoir l'assurance que Dieu t'entend, que Dieu est là dans le secret, il t'attend dans le secret. Donc ce que tu dois faire, c'est d'aller dans le secret. Et là tu parles à ton Dieu, là tu racontes à Dieu ta misère, là tu lui dis tes soucis et tes craintes, là dans le secret, tu vas tout lui raconter. Et nous sommes là dans cet espace, nous sommes là pour vous accompagner dans ce lieu secret. Et là, nous allons demander au Seigneur les grâces dont nous avons besoin, les grâces qui nous sont nécessaires à une vie épanouissante, une vie éclatante, une vie bénie. Là, nous sommes dans le secret devant Dieu. Et voulons qu'on ait que Dieu te voit, il t'entend, il agira, il te bénira, il fera dans ta vie des choses extraordinaires pour la gloire et la plus grande gloire de son nom. Donc, nous allons prier fort de cette parole, avec cette assurance, ce calme qui nous est nécessaire, nous pourrons le prier. C'est dans le calme, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Fais bon Dieu confiance. On comprend qu'on est capable de paniquer, qu'on doit se sentir overwhelmed, dépassé, surmené, surchargé. Mais fais bon Dieu confiance, parce que son bon Dieu qui est fidèle, il n'est pas chame abandonné petit. Allons aller dans la prière. Pendant ce phare, mettez musique, la prière pour nous. Nous pourrons prier et manifester confiance nous. Nous pourrons exercer confiance nous et agir foi nous dans le Dieu de la parole, comme l'a fait les hommes et les femmes des temps passés. Oui, les hommes et les femmes des temps passés
on cherchait Dieu et on fait des prières de foi. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Dieu connaît la valeur d'un enfant et il voulait bénir Abraham et Sarah en leur accordant un descendant qui assurerait l'avenir de leur peuple. Mais 25 années s'étaient écoulées et la promesse ne s'était pas encore réalisée. Alors, quand Dieu l'a renouvelée, Abraham a demandé, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Eliezer, son intendant en chef, était son seul héritier. Dieu lui répondit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles. » La Bible dit qu'Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Il est très intéressant de constater qu'en hébreu, le terme croire a la même racine qu'amen et signifie je m'appuie sur. Autrement dit, Abraham a mis son espoir en Dieu. Il s'est appuyé sur Dieu et non pas sur lui-même, ni dans les lois de la biologie ou dans ce qu'il voyait. Et cela lui a été compté comme justice. Aujourd'hui, peut-être que la vie vous frappe. Avez-vous une requête pour Dieu dans votre cœur? Appuyez-vous sur lui. Comme il est bon de pouvoir parler à Dieu, il vous donnera toujours ce dont vous avez vraiment besoin. Il veut que vous vous affermissiez en lui et que vous vous souveniez de lui. Et miraculeusement, cela rend juste. Prière, merci Seigneur pour les enfants et aide-nous à les élever. Nous allons dans la présence de Dieu. Nous allons croire le Dieu qui a fait la promesse. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu véritable. Ton cas n'est pas trop grand pour Dieu. Ta situation n'est pas trop grande pour Dieu. Ta maladie n'est pas trop grande pour Dieu. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui fait grâce. Et m'tendez, mon Dieu, Abdi ou Assoya, mon fils, ma fille, mets ta confiance en moi. Mets en moi ta confiance. Parole l'a dit. Parole l'a dit. Nous devons mettre en lui ta confiance. Parole l'a dit. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Là où tu es, ma sœur, mets ta confiance en Dieu. Là où tu es, mon frère, mets ta confiance en Dieu. Appuie-toi totalement et entièrement sur lui. Compte sur sa bonté, compte sur sa fidélité, compte sur le Dieu qui ne ment pas, qui ne trahit pas. Et demandons-lui ce dont nous avons besoin. Il vous donnera toujours ce dont vous avez vraiment besoin. Il nous donnera toujours ce dont nous avons besoin. Dieu nous donnera toujours ce dont nous avons besoin. Nous sommes là devant Dieu dans la prière. Non, je dis péter porte là, je dis fais miracle là, je dis délivrance là, je dis signe là, je dis côté l'Éternel au opérer de grandes délivrances. Quoi, non, bon Dieu, appuyez totalement sur lui. Fais confiance à ton Dieu. Et pendant nous prenons prier, agis foi en ce Dieu qui est fidèle. Le Dieu qui est venu à Abraham. Le Dieu qui a fait la promesse à un homme âgé et usé de corps. Le Dieu qui a permis qu'un enfant sorte des entrailles de Sarah à 89 ans. Ce Dieu fidèle, ce Dieu grand, ce Dieu éternel, ce Dieu qui ne ment pas, qui ne change pas, qui ne trahit pas. En alcôtel, au nom de Jésus, ô notre Père et notre Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, nous voici devant toi, encore une fois dans le nom de Jésus. Nous sommes là à te chercher, nous sommes là à te prier. Nous ne venons pas sur la base de nos mérites. Nous ne venons pas sur la base de notre bonté, de notre justice. Mais nous sommes devant toi comme des mendiants de la grâce. Nous sommes devant toi sur la base d'une parole que nous avons entendue, d'une parole que nous avons lue, d'une parole qui nous dit « Approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance d'obtenir miséricorde et pour être secouru dans nos besoins. » Seigneur, ce soir, nous sommes là à te demander une grâce que nous ne
méritons pas, à te demander de faire pour nous quelque chose que nous ne méritons pas. Si tu gardes le souvenir de nos iniquités, nous n'allons pas la voir. Si tu gardes le souvenir de nos péchés, nous n'allons pas l'obtenir. Si tu gardes le souvenir de nos iniquités, c'est fini de nous. Mais Père Céleste, je compte sur ta miséricorde. Je m'appuie sur ta bonté. Tu es le Dieu aux tripes de la miséricorde. Tu es le Dieu aux entrailles de compassion. À souhait, à Seigneur, dans le nom de Jésus, alors que nous sommes dans ta présence, alors que nous sommes encore devant toi, je réclame ta bénédiction sur nos vies. Je prie que ta grâce déverse sur nos vies. Je réclame une faveur extraordinaire pour mes frères et mes sœurs. Gagne, Seigneur, c'est pas première fois. Yo vin nan jeudi pété porte là. Gagne qui là jeudi après jeudi. Il a cherché la présence de Dieu. Il a cherché l'agir de Dieu. Il a cherché la main de Dieu. Et encore ils sont malades. Encore ils ne voient pas la délivrance. Encore ils attendent et espèrent en Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui ne change pas. Jeudi à souhait. Nous connaît que c'est possible que la porte soit ouverte. C'est possible que porte la pété. Non, je dis pété porte ça, Seigneur. Depuis ces portes qui campaient, qui verrouillaient, qui pavlaient by petit ou passé. Pété au nom, Seigneur. Seigneur, gué moun qui a prélé. Oui, mon Dieu. Y a prélé. Gué jeune fille qui a prélé. Gué jeune garçon qui a prélé. Yo vle marcher dans volonté. Yo vle faire ça ou dit ou pour yo faire. Voici que yo fait face à des situations. Yo pas gué contrôle li. Yo pas gué contrôle, non, Seigneur. Yo pas gué contrôle. Et moun qui a vin pas la veille, c'est moun qui pas connaît bon Dieu, c'est moun qui pas dans l'église, c'est moun qui pas servi mettre là. Yo connaît ou dit ou pas vle ça, mais ils ont des besoins de fonder une famille, des besoins d'avoir un enfant, des besoins d'accompagnement, des besoins d'intimité. Mais Seigneur, n'es-tu pas le Dieu qui a donné à Adam sa femme Ève? Donc tu es capable de donner à chaque Ève son Adam, et tu es capable de donner à chaque Adam son Ève. M'a demandé au Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth, interviens ce soir, fais quelque chose que ou même seul gain capacité. Et pour toute jeune fille qui sincère, pour toute jeune fille qui a souffri, pour toute jeune fille qui a tant nous, pour toute jeune fille qui n'en présence sous, moi demandé au Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, voyez pour yo mari ça que y a cherché à, et pour toute jeune garçon qui a tant nous, voyez pour yo madame ça que y a cherché à, et que grâce ou capable remplir yo. Et Seigneur, nous pas seulement prier pour ça pour qu'on marié, mais nous prier également pour ça que marié pour qu'on gagne timoun. Nous demandé pour capable intervenir avec force et puissance. Tu es le Dieu qui donne des enfants. La Bible racontait comment tu as donner des enfants à des femmes stériles, des femmes de, telles que Anne, telles que Élisabeth, telles que la femme de Manoah, des femmes pieuses qui servaient Dieu, mais qui étaient stériles. Et comment tu as agi? Et comment tu les as délivrées? Et comment tu les as assistées? Et comment tu les as aidées? L'Éternel, dans le nom de Jésus, viens serviteur à la prière. Seigneur, ou pas faire parce que bon, mais on va faire parce que c'est bon Dieu. Ou qu'on défaut nous, Seigneur. Ou qu'on manque nous, Seigneur. Si on attend pour nous parfaire, nous pas jamais délivrer, non. Parce que nous pas capables de parfaire. Le péché, la folie, ils ont attaché à nous. Donc, quel que soit ce qu'on fait, c'est grâce liée. Fais-nous grâce à soi. Faut coupe grâce à soi. Bye petit à soi à l'Éternel. Agis grand bon Dieu. Parce que rien n'est impossible à toi. Priez dans le moment ça. Pour ça qui marié, qui gen petite, mais si moun yo malade, ou bien si moun yo gen autisme, ou bien si moun yo grand, y a fait ça ou pas doué fait. Nous la gué ou nan mèon. Assoye à bon Dieu, rentre dans kaye la. Nous bon permission pour rentrer dans kaye la. Nous bon permission l'Éternel pour aller au Canada. Nous bon permission l'Éternel pour aller côté n'pas ka aller. Nous bon permission au Éternel pour faire ça que n'pas capable faire. Nous ava glorifier. Nous ava glorifier. Et toute bouche ava confesser que c'est au même qui fait, que c'est au même qui bon Dieu. Allez Canada, allez dans les Antilles, allez en Haïti, allez au notre Dieu à Saint-Domingue, allez au notre Dieu en Chili, allez au Brésil, allez en Europe, allez dans le monde et là où ton peuple
yo connecté dans la prière et que yo gen des enfants qui tombaient dans drogue, des enfants qui tombaient dans sexe avant l'heure, des enfants qui même placés, des enfants qui dans boîte de nuit, des enfants qui dans gang arraché au pouvoir de Satan, car tu es le Dieu tout-puissant. Nous prions dans moment ça pour monde qui malade, il y a des malades au milieu de nous. Or le Dieu de la Bible est le Dieu Rapha, le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Moi mandé au Seigneur, dans moment ça, relâche ta puissance de guérison, relâche ta puissance de gloire. Et m'tando dim Seigneur, dim relâcher. Moi donc au nom de ce que j'entends dans mon esprit et par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi, je relâche la puissance de guérison, je relâche la puissance de faveur, je relâche la puissance de guérison, guérison pour corps, guérison pour âme, guérison pour l'esprit. Moi relâcher la puissance, l'esprit de guérison sous la vie peuple bon Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Et là où tu es, reçois ta guérison au nom de Jésus, reçois ta guérison par la foi au nom de Jésus. Dis je reçois, dis je reçois, dis je reçois, dis je reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, reçois. L'Éternel, nous prier dans moment ça pour moun qui besoin caille pour arrêter, pour moun qui besoin machine pour transporter, pour moun qui besoin travail, nous la gueu dans main. Oui bon Dieu, nous la gueu dans main. Oui Seigneur, ou connaît gen moun faut au travail pour manger, faut au travail Seigneur, faut gon côté pour arrêter. Oui bon Dieu, yo pas gen clé, gen sa cap dormi caille moun, gen sa qui besoin caille payo. Nous mande à soya Dieu de puissance, Dieu de vérité, Dieu éternel, agis, opère un miracle, opère un miracle, opère un miracle, opère un miracle, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Relâche dans nos vies l'esprit de prospérité, l'esprit d'abondance, l'esprit de plus caché, l'esprit de superflu. Relâche dans nos vies les grâces et les bénédictions. Seigneur, trop longtemps nous vivons dans le manque, trop longtemps nous vivons dans le jamais assez. Nous demandons au Seigneur une dimension de grâce abondante, une dimension de grâce abondante, selon qu'il est écrit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'allégresse. Nous demandons la même dimension ça, moun qui l'école bayo l'intelligence pour apprendre, sac fini un cycle d'études bayo intelligence pour passer examen, gagne qui gagne NCLEX pour y apprendre, gagne qui gagne USMLE pour y apprendre, gagne qui gagne bar exam pour y al pran, gien qui gien examen licence pour y al pran, quel que soit côté oyé, moi mande assistance ou, moi prier dans moment ça, pour moun qui a commencé en entreprise, pour moun qui gien des investissements, qu'on capable bénir au Seigneur, gien moun qui dans domaine real estate, pour on raison pour on l'autre, yo pas jamais ka abouti, dit là toujours rivé en côté, et puis tout pas jamais capable abouti, moi déclarer l'esprit de prospérité dans la vie, faire route pour yo l'Éternel, que tout investissement yo rapporte 100 fois la valeur. Au nom de Jésus de Nazareth, l'Éternel, Seigneur du ciel et de la terre, nous prions dans moment ça pour les hommes et les femmes de Dieu, les évangélistes, tout le monde qui travaille pour vous, nous demandons pour Kimbe. Seigneur, tu sais que le travail n'est pas facile et que sans toi, ils n'y arriveront pas. Nous réclamons ta grâce, ta bénédiction, ta puissance, les saints anges, le Saint-Esprit. Seigneur, viens nous assister, viens nous transformer, viens nous régénérer. Je prie pour la régénération, je prie pour la transformation. Fais de nous de vrais chrétiens, des hommes et des femmes transformés, régénérés. Fais de nous le modèle de croyants, de chrétiens que tu attends de nous. Et aide-nous, Seigneur, à vivre dans l'amour. Je prie que la haine soit bannie de nos cœurs, la jalousie bannie de nos cœurs, l'hypocrisie bannie
bannis de nos cœurs toutes vieilles bagailles sales, la méchanceté. Aidez-nous, Père Céleste, pour que nous capables vivre avec un cœur pur. Car on dit dans la parole, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, notre Père bien-aimé. Gain pile besoin en bas live là non jeudi pété pot ça c'est pas des moun non Seigneur qui pas dans nécessité c'est pas des moun qui pas gon besoin mrelew nan moment ça alléluia pour la jeune Safina pour Keti pour Sandra Balmi et Olivia mrelew pour Dalton Destiny et Kaylee 911 SOS pour famille Alteric Jordan Berrington Ashwood Aiden Alverine Ricilia Angela, mreleo nan moment ça pour Cynthia lui SOS pour Claude Delille et famille mreleo pour Smali Toussaint délivrance pour Marie Benita Ballan m'évoquer le Dieu tout puissant oui moi-même pour déblocage Jonathan Colimore 911 pour Edwin Elizabeth Eldwin Elijah Edza et Eliana mreleo pour Augusto Bernardin Rose Esther Bernardin Carl et Kayana Bernardin Mreleo pour la délivrance de Linda Alvarez et famille Raven, Francesca, Cassandra et Jonathan Alvarez. Letelelo, oui, Mreleo dans moment ça pour Manel, Benjamin, Obden, Beati, Sheila Deno, Pireson Deno, Emmanuel Deno, Mreleo, c'est bon Dieu, non, moment ça, m'fait 911 pour Willy Lima et Omul Dalima, Lidou Seigneur, pété porte là avec toute chambre, non, mettez-nous dehors, yore le Seigneur, Mreleo, pour Naomi Saint-Il, Laurette Niklas, Michel Chancy, Ima Augustin, Wesley Seville, frère Wesley, Westel, Mreleo, nan moment ça, pour Estadel, Luima, Noufi, Zef, Wisline, Saint-Val, Mreleo, bon Dieu fidèle, nan moment ça, pour chaque petit ouyo qui n'ont nécessité, Abdel Brianville, Annie Brianville, Max Bélanger, Mreleo, bon Dieu, nan moment ça, pour Yolande Fleurant, Willou Blaise, Mreleo, Seigneur, nan moment ça, pour Edna, ce Edna, nan mais visite. Le Seigneur, campé ak li, défend cause li, mettel dehors avec point et tout. Mreleo nan moment sa, grand bon Dieu, pour madame Muriel Dupré, Mreleo pour les mêmes maris, petite li family, visiter Enid Blanc, visiter Viviane Oba, Maggie Oba avec famille au avec petit yo, visitez pour nous dans moment ça, grand bon Dieu, madame, sœur Labranche, Nadège Labranche, visitez-le, visitez Kimberly avec Marie avec petit lit, visitez pasteur Georges Labranche, visitez Sébastien Labranche, visitez Seigneur Kobe, mlague, non mais bon Dieu, fidèle là, oh l'église de Jacksonville, les églises adventistes à Jacksonville, non mais on va songer, pasteur Price, réveille, visitez madame, fais grâce à ces églises, Kimbe au Seigneur, fortifié au fait ou taquio, me lever devant le Dieu Tout-Puissant, pasteur Ricardo Daphnis, me lever devant bon Dieu Tout-Puissant, pasteur Nathaniel Lyles, dans Jacksonville, mandez pour capable camper à Kyo, pour défendre Kozio, pour armer de courage et de force, d'Esprit Saint, l'État. Mreleo, Mreleo nan moment sa oui, pour chaque petit ou qui en danger, chaque petit ou qui par contre si pour yo monter, si pour yo descendre, nous avons besoin de toi dans cette saison où tu nous enseignes de sur la foi, dans cette saison où tu nous enseignes à rechercher ta présence, Seigneur, que ta présence soit une réalité dans nos vies, dans le quotidien. Gagner des besoins en bas live là, pas même connait pour mentionner Marie qui qui quitte kay, madame qui quitte kay, petite qui quitte kay, ka bay problème, ti moun qui n'y maladie, maladie distrait, ti moun qui gaye, nous la gayou nan mon Seigneur, aswe, passe en bas live la, fais miracle, alléluia, nous senti qu'on miracle ka fait en bas live la, aswe, au nom de Jésus, et me dit aussi seulement ou agi foi, ou a recevoir grâce par
Waouh, la kounia. Que lumière, bon Dieu, frappe. Que gloire, bon Dieu, descende la caillou. Que saisis dans le moment ça. Wap, bon Dieu, qu'a passé. Wap, Seigneur, qu'a visité. L'éternel, pendant ou là, pendant descend, nan live la assoya. En bas, live la assoya. Pour délivrer, pour guérir, pour exaucer, pour traverser à peuple, pour bayo espérance.